Et aujourd'hui, je vais uniquement la situation politique. Situation politique dans le pays et situation de la MMM. Et qu'il y a un bon nombre de points. Alors, la situation politique dans le pays, il y en a un certain nombre de rumeurs ces derniers jours à l'effet qu'il y en a cause-causée entre MMM et MSM. Laisse vous mettre les choses au clair, il n'y a aucun rapprochement entre MMM et MSM, il n'y a aucune discussion entre MMM et MSM. En fait, ce n'est pas nouveau ce qui m'a fait dire ça, c'est ces derniers temps, on est fatigué d'y aller pour nous, avec ce nouveau gouvernement qui nous est là. En fait, pour nous, fin sap dans Caraïbes pour tomber dans le fait. Et on va faire référence rapidement à de nombreux points de désaccord entre nous et le MSM, entre nous et le gouvernement actuel. A commencer par une nomination scandaleuse qui finit après la dernière élection générale. Et ensuite, à l'islam, a commencé par une nomination scandaleuse, mais l'ICAC, le comportement de la police, l'abus par le gouvernement de la police, la NBC qui pire qu'avant, pire qu'jamais, le mishandling de toute l'affaire BAI, le mishandling du dossier électricité, la trahison en ce qui concerne nos souverainetés, les Chagos et Tromelin, parce que pour nous, ça façon qui n'a pas fait un rien, peut tomber, c'est une vraie trahison. Donc là, dit ça, bien bien long. C'est ce qui fait moi dire catégoriquement qu'il n'y a aucun rapprochement, MMM-MSM, il n'y a aucune discussion. Et pour nous, malheureusement, fait une sape de Caraïbes pour tomber dans les faits. En ce qui concerne le discours de Seraniro Diagnat lundi dernier, l'eau fraude, corruption, good governance, c'est du bla 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 et c'est tout. Il osait me dire que le nouveau gouvernement, il prend la corruption, il prend le taureau de la corruption par les cônes. Et moi, dis-moi, le N-Con, il n'a pas qu'à se mentoir. L'autre cône est na Isulmangou et après il y a Gayan Petini Laké Torola Isoka. C'est un grand blablabla comme dans les passés, surtout qui pouvait venir de l'avant avec un nouveau Declaration Act, Declaration of Assets Act, et la loi de financement en partie. Nous les attendons, ça, y compris en 2005, après MSM in van. Le MMM, nous, ça va le point. C'est pourquoi, moi, mettre au défi. Annie Roudjagna. Vigne de l'avant avec une vraie Declaration of Assets Act. Je voulais guetter ça. Nous tous pour ensemble, je voulais guetter ça. Qu'ils aient pu venir avec une vraie Declaration of Assets Act. Comme un ministre, député et les autres proches pouvaient déclarer publiquement et sous peine de prison tous les autres assets. Et je mets au défi, c'est Aniro Diagnat, faire ce qu'il était trahir pour ne pas faire en 2000-2005, c'est-à-dire une bonne la loi au financement d'un parti politique. Je mets au défi. Mais en fait, nous renseignements totalement différents.
Nous, l'information, c'est que le gouvernement peut travailler sur l'amendement. Un amendement soit à la Constitution lui-même, soit au Prevention of Corruption Act, la loi Alicat, peut travailler. Lorraine, l'amendement soit à la Constitution, soit à POCA, Prevention of Death, pour rendre caduc, pour essayer de rendre caduc le récent jugement de la Cour qui condamne Pravin Jagnath dans l'affaire Medpoint. En effet, mon renseignement précis, là, quoi je peux travailler, je dois comprendre très vite. Dans la Constitution de Maurice, il y a une définition de public officer. Et sa définition-là, il y exclut un ministre et député. Mais quand nous votons le Prevention of Corruption Act en 2005, nous introduisons le concept de public official. Nous pas t'y servi l'expression public officer. Nous t'y servi l'expression public official qui est plus large. Qui, y compris public officer, mais qui, y compris ministre, député aussi. Exprès, nous t'y discutons ça. Il y en a plusieurs d'immun ici présents qui t'y ministre, qui t'y député ça à l'époque-là, et nous t'y trouvons qui pas capable de dès la loi, une la loi spéciale pour ministre député. Nous introduisons donc le concept d'un public official. Public official, et c'est sous ça qu'il Pravin Jagnath tassé. Et sa définition de public official là, il inclut un public officier, mais il inclut aussi ministre député, etc. Alors, mon information, c'est que le gouvernement peut travailler un amendement pour essayer. Soit la Constitution, ça, soit POCA, pour essayer de rendre caduc le jugement de la Cour. Pénacimin. Et quant à moi, moi invite Sanirou Jagnath à démentir officiellement. Ça, l'information. Démentir officiellement. Au lieu de continuer, je vais bourrer l'eau, tout quelque chose, comment il peut faire ces temps-ci. Toute question qu'il pose, il graisse, il qui met, il se bourré. Ah, c'est ça. Là, ça, c'est l'information qui m'a fait état là, il est bien disturbing. Moi, invite Sanirou Jagnath à démentir officiellement, sans tarder, ça, l'information. Quant au saut de demain, l'économie, eh bien, il y a une motion de blâme et il y a un aveu d'échec. Le fait qu'il 5 mois après présentation budget, le Premier ministre, une casse paquet, il y a une motion de blâme contre Vissou, le Timna Raidou. Quand il présente le budget, bluff, papa, on dépasse bluff. Mais qu'il y promet deuxième miracle économique. Carambo, soi-disant, vis-à-vis de la rescousse, c'est une motion de blâme directement contre le Timna Raidou. Et c'est aussi un aveu d'échec 5 mois après la présentation du budget. Fin un flop total. Tiens, budget. Moi, tu dis, allez. Je vous dis, tout le monde trouvait qu'il quantité de gagné. Donc, tu dis, tiens, vaste bluff. Bluff all the way. Sa budget de 5 ou 10 de cela. En fait, l'économie en panne et le budget présenté par le Timna Raidou 5 mois de cela finit un flop total. Après ces quelques mots, la situation politique dans le pays, laisse-moi venir
la situation dans MMM. Et moi, fais un appel, je connais mon manière de travailler, MMM, nous pas ni route Jagnat, nous. Une fois par semaine, nous avons une conférence de presse, et ben, les journalistes, ils ont droit, posent n'importe qui question. Chaque semaine. Mais moi, tout ça déplorable, qu'un journaliste, s'il est dans le bureau, écrit n'importe quoi. Et parfois, bien, bien blessant, bien, bien insultant. Ces derniers jours, là, c'est tout dans l'Express. Alors, dans l'Express du 15 de ce mois, un petit journaliste croit aller, après qu'il ait une cause à mal au téléphone, il croit aller autorisé à écrire, sans qu'il ne demande moi non rien, après avoir essayé en vain de convaincre son fils d'entrer en politique, mais de qui droit? Qui les connaît? Elle est totalement faux. Ce qui connaît moi connaît, ce qui connaît respect qui m'a pour mon enfant. Jamais je ne vais faire aucune pression, jamais je ne vais faire aucune pression. Et je respecte le choix que mon enfant fait. C'est faux. Mon garçon Emmanuel fait ce choix. Il y a un petit formidable, mais je respecte le choix qu'il fait. Et jamais moi fin faire, et jamais moi vous faire pression. Et même la Gazette, ça fera là, quelques jours plus tard, le 17, deux jours plus tard, ça quoi est déclaré comme tout, que Johanna pour remplacer ce papa à la tête du MMM. Qui t'y connaît, papa? Moi-même et mes bons enfants, nous méprisons toute idée de dynastie en politique. Il est toujours comme ça, il est toujours comme ça. Et je félicite Johanna qui, dans l'Express du 15 de ce mois, dit, je cite, la méritocratie fait partie d'une valeur fondamentale du MMM. Et il s'est ajouté que le fait d'être motivé n'a pas donné à aucun droit spécial. Ni à lui, ni à aucun de mes enfants. Donc, moi, vous faites un appel avec les journalistes. Pas blesser les gens, pas insulter les gens, pas déclarer contre tout. Vous avez gagné l'occasion, posez n'importe quelle question, demandez n'importe qui l'éclaircissement. Au moins, faire ça. Parce qu'à part ça, même l'Express parle d'une tension dans l'Express du 15, toujours. Une tension entre Adja et Kanes et Pradip Dia. Totalement faux. Un secrétaire général MMM, l'autre un leader adjoint du MMM. Et je te donne l'impression qu'il m'a une préférence pour Pradip Dia. Moi, leader du MMM, mon pénal pour choisir en 2010 ans extrêmement valable de mon point de vue. En temps et lieu, le MMM qui peut choisir. Pas moi. C'est le MMM qui peut choisir ou confirmer qu'il est le MMM pour le seul dans la prochaine élection générale. Et avec Kissena comme Premier ministre, qui l'équipe ministérielle qui nous vous présente. Et aujourd'hui, le MMM est une équipe formidable, équipée renforcée aussi, de jour en jour. Et là, on prend l'exemple, sa fête nationale de samedi dernier, fête nationale de l'Inde, samedi dernier. Maman, c'est la preuve qu'ils m'ont choisi Pradip Dia au dépens de Ajay. Moi, tu prends la peine, téléphone Ajay, Pradip et Reza. Ils étaient présents pour dire aux autres,
à nous être présents ensemble dans la fête nationale, l'Aisne. Pradip fin là, Reza fin là, nous tiens ensemble. Et moi, je suis étonné à prendre du secrétaire général du MMM, sans qu'il me blâme qui que ce soit. Mais moi, je suis étonné à prendre qu'il n'y pas recevoir d'invitation de l'ambassade de l'Aisne. Eh bien, ne pas le faire à Gate Crossing, ça goûte là. Donc, il y a aussi simple qui ça. Au lieu de faire grand extrapolation, grand théoricisme dans le bureau, il y a pose question. Vous voulez demander l'éclaircissement. Alors, oubliez tout ça, ça m'a fait là. Nous, aujourd'hui, le MMM, aujourd'hui, moi, tu connais ça, moi, tu dis à autres, nous ne passons pas 6 mois, bien difficile, MMM. Personnellement, moi, ne passe pas 6 mois, probablement les plus difficiles de mon vie. Moi, je fais une bonne année dans la prison, en détention politique. Moi, ne passe pas beaucoup de baisse. Mais ça, c'est les 6 mois que moi, je passe là, par la faute de Navin Ramgoulam. Et ça, 6 mois qui est MMM, il traverse. C'est une fin bien difficile. Mais aujourd'hui, le MMM est une équipe formidable. Équipe renforcée aussi de jour en jour. Peine à tension entre nous, peine à Cuba entre nous, peine à manigance entre nous. Comme toujours, que le meilleur gagne. Moi, bien content. Quand tu même été. Et moi, je connais l'avenir pour nous. Moi, quand tu peux dire ça, il y a un paquet, c'est la doute. Aujourd'hui, il est évident que l'avenir politique à Maurice, l'avenir, c'est nous, le MMM. Donc, l'appel qu'il faut faire à un journaliste, c'est qu'il n'a pas écrit n'importe quoi. Je ne pas à niveau de Jack. Moi, je donne l'occasion de poser n'importe quoi. Question comme aujourd'hui, vous êtes gagné votre réponse quand vous n'êtes pas satisfait. Faut une baisse, vous êtes droit ça. Mais pas fabuler, pas dire n'importe quoi, et comment dire, vous êtes parfois li profondément blessant. Mais qui droit une journaliste écrire qui m'a fini de convaincre mon garçon, je sais pas comment faire, alors comme on est souhait, les là, m'ont tourné vers motif. Mais qui a été dingue ça? D-I-N-G-U-E, pas D-E-N-G. Donc, tu poses une question, on gagne l'éclaircissement, là nous gagne un débat informé. Et aujourd'hui, encore, moi, pour passer la parole, n'importe quel éclaircissement qu'ils ont gagné, à moi-même ou à mon dirigeant ici présent. Donc, on passe la parole pour aujourd'hui. On nous commence par la situation dans le pays, si vous êtes d'accord. Après, nous venons la situation dans le MMM. Alors, situation politique dans le pays. Lundi dernier, Aniro Jagnat, tu fais un blablabla, l'eau, corruption, fraude, good governance. Demain, pour un show. Et dans l'intervalle, on est bien éclairci par rapport. Get. Bon, c'est un camarade là, pas là, Zouz. Dernière conférence de presse vendredi. Une finie causée, bon, ouvert, open the floor, comme dit, causée pour n'importe quelle question. Comment qu'est-ce. Pena question, right. Comment conférence de presse finie, il coste à moi, il dit, mais vrai, ça va nous faire MMM là. Mais naturellement, il dit, mais vous faites une conférence de presse. Pose question là, dans la conférence de presse, vous avez une réponse, si vous pas satisfait, ou pas. Non. Donc ça aussi, mon éclairci bien. Il y a radio, une cause ça, mais mon bien éclairci. La situation, vrai même, et moi dis à ça, les qui a gros, nous ne sapent dans Caraïbes pour nous tomber dans 10 faits. Je vais passer ta parole, on nous commence si je. Comment? Mon Dieu, déjà en lui-même, même pas besoin d'attendre le discours de demain, déjà en lui-même, m'aurait dit à Banmo qui m'a servi, il y a une motion de blâme contre le tunnel Raïdou, 5 mois après la présentation du budget. Pour qu'il y ait un premier ministre, vous invite au secours de l'économie. Mais c'est lié au camp. Donc déjà là, à ce stade, c'est qu'il m'a dit, il y a une motion de blâme contre le tunnel Raïdou, et il y a un aveu d'échec. C'est à nous guetter qui pour causer demain. Après, nous, on va commenter, puis avant, on ne va pas les prévoir. Bon sens.
Oui, mais ça c'est comme dit, qu'on a dit une seule, tout une jury. Évidemment, qui nous pas pour présent, il fait une affaire complètement partisane. Bon sens, mais pas ad insult to injury. Par contre, lundi dernier, quand il fait ce blablabla, l'eau fraude, corruption, good governance, ça, il ne m'a même pas invité. Ça, non. Oui, tu veux dire? Oui, bien sûr. On croit tout le monde député invité, évidemment, qui nous décline sur l'invitation. Que ça, ça aussi. Un journaliste, puis il y a un PC, il y a un temps de moins dire élection derrière la porte, jamais. Et il y a un journaliste hystérique. Mon dire, avec la situation quand il est arrivé, ban problème la santé à Niro Jagnat, ce déclaration, le jour résultat élection municipale, peut donner un premier ministre, dire si mon petit père dit élection municipale, moi aller comme premier ministre. Un événement, ça. Et vous ne finissez content, comprendre sur l'état d'esprit. C'est que mon dire, c'est étant donné à Niro Jagnat sur l'état de santé, mon bien sagrin pour lui, bonne santé, étant donné sa déclaration qu'il India. Et l'autre côté, étant donné condamnation par la cour dans l'affaire Medpoint de Pravin Jagnat, mon dire, nous bisons tenir nous prêts à n'importe quelle éventualité, y compris élection générale anticipée. Et c'est ce qu'il nous peut faire, plus qu'ils jamais. Mais à partir de là, des trois hystériques, viennent dire mon dire élection derrière la porte. Ni derrière la porte, ni derrière la fenêtre. Mais nous disons, nous devons tenir nous prêts et nous pouvons tenir nous prêts à n'importe quelle éventualité, y compris élection générale anticipée, whenever it comes, n'importe quand. Donc nous, là, nous pouvons préparer nous activement. Ah ben, il y a même au fait que j'ai l'Italien, là. Il y a même qui peut décider. Si pas nous parler tout seul ou non, l'éclair nous. Ben, à ce stade, pour moi, l'éclair nous parle tout seul. Mais c'est le MMM qui peut confirmer si pas nous parle tout seul ou non. Si nous parle tout seul avec qui c'est comme Premier ministre, Paul 5 ans, qui a d'autres 5 ans, 3 ans, 2 ans, si 3 ans, 2 ans, qui c'est d'autres 2 ans, tout ça là, pas moi qui décide, vous pas propriétaire MMM. Dis-moi, ne pas réaliser qu'il quantité de démocratie réelle et n'a dans MMM. C'est le MMM qui, en temps et lieu, pour décider l'autre, tout ça va le point. Le moment venu, dans l'intervalle, nous pouvons préparer nous activement pour une élection générale anticipée possible, sinon probable. Qu'il y ait en termes candidat, nous activement pouvons travailler l'autre dans la liste candidat. Nouveau nouvelle peut venir. Et nous pouvons, moi, en tout cas, nous pouvons travailler l'autre dans la liste éventuelle ministrable. Ministre, etc. Donc nous préparons nous activement, mais pas moi qui peux décider, c'est le MMM. En temps et lieu, par bulletin secret, comme toujours dit à moi, dans Maurice Pénat, mais dans le monde même Pénat, moi j'ai d'autres francs. Si vous ne pas réaliser, en temps et lieu, nous pouvons prononcer, nous, comme toujours, par bulletin secret, quand il y a un choix fondamental à faire. Mais dans Bézco, j'étais étonné, dans Bézco, le gouvernement là était étonné qu'il l'ait ban rimé comme ça. Je pas étonné, moi. Hein. Pays là, moi, tu peux dire l'économie en panne. Et tout le monde sent que le pays là a une baisse terrible. On dit, pays là, gouvernement. En français, nous dit, tout fout le camp. Mais du monde. Dis-moi, pas bête, Ban Mauricienne et Ban Mauricien intelligent, tu dois te réaliser que pays-là, si l'économie en panne, pays-là en pendant. Pays-là en pendant. Et gouvernement, tu dois qu'on s'applique bien qui tout. Et pour un peu choc, tu vois là. Hein? Moi, je connais un député pour le baisse condamné, plus divant là, n'aguette. Inquiet, moi bien content si j'étais inquiet. Moi, on connaît mon bande militante, pas seulement respecté, moi, mais content, moi. Et mon content, qui est content, moi. Mais la vie, c'est la vie, puis je prépare pour l'après-béranger. Après, on va préparer pour l'après-béranger.
Mon pas Ramgoulam, mon pas. Mon pas Jagnat, moi. Non, non, il a. Ah, ben, en passant, j'ai besoin des autres fois. Hier, on a fait tout moment de test de routine annuelle. Le docteur là, il a dit si tu comptes l'eau, moi je te fais faillite. Mais bon, bien content, tout moment de test positif. Un peu comique dans la vie parfois, franchement, pas de résultat. Stress, test, lecteur, tout ça là, mais hier, qu'il y a un an des élaboriers. Mais tant mieux, c'est comme ça. Mais on arrive 70 ans. On va couillonner, dis-moi, moi. Je guette les choses en face. Mon arrive 70 ans, moi en pleine santé. Bravo. Mais bien, prépare-nous. Activement, en tout cas, nous préparons l'après, Béranzé. Et comme on m'a dit, après, nous préparons. L'après, l'après, Béranzé aussi. Enfin, c'est qu'encore là. Non, moi pas quoi. En tous les cas, moi 100% d'accord avec ce que Steve Obigadou et nous, Commission de l'éducation, nous disent. Et moi, je vais donner un petit secret. Dans la discussion interne, moi, fin adopté la ligne plus souple que Steve Obigadou dans nos discussions internes, hein, dans nos bureaux politiques. L'État nous discute qui l'attitude nous pas adopter vis-à-vis d'une proposition de Mme Doukan. En vérité, moi, je retrouve dans une situation un peu plus souple que Steve Obigadou. Moi, 100% d'accord avec ce qu'il dit ces derniers heures, dans là, ces derniers heures, 100%, superbe. Mais non, nous avons la même longueur d'onde là-dedans. Moi, je suis fatigué de dire, je ne peux pas réaliser que le progrès d'un pays, il dépend autant si pas une l'opposition responsable, solide, qu'il a au gouvernement. Et nous toujours faire, et aujourd'hui, nous faire une opposition responsable. Quand nous sommes pour dire nous d'accord quelque chose, nous d'accord quelque chose, quand on a pour faire une baisse, nous faisons une baisse. Et au fond, franchement, qui peut faire là? Sur Ramgoulam, il perdit. Mon cas, pleurer, mon raser comme on calcule ça. C'est qu'il travaille qu'il nous fait en 2000-2005, côté l'éducation. De 2005 à aujourd'hui, Ramgoulam, il perdit. Tout ça, les temps, là, il fait le contraire. Impardonnable. Mais aujourd'hui, il peut reprendre. Doucement, doucement, il peut reprendre le chemin qui nous a dégagé, dans lequel nous engageons, nous, en 2000-2005. Mais vous voulez nous venir, nous pas d'accord, ou bien dans la route de qualité là, nous pas d'accord avec tout. Il y en a beaucoup quelque chose à éclaircir encore. Mais grosso modo, nous perdons dans la bonne direction. Je ne connais pas les détails, ce qui me connaît, c'est qui je peux travailler là, active. Moré, explique-moi, la Constitution, qui date de, comment on nous connaît, 60, conférence constitutionnelle 65, après 67, après l'indépendance 68. Il y a une définition de public officer, et c'est une définition restrictive. Public officer, c'est un civil servant, etc. Et il n'est pas inclus un ministre et député. En fait, il exclut un ministre et député. Mais quand nous votons la loi Prevention of Corruption Act en 2000-2005, exprès, nous ne décidons pas plus loin. Nous faisons introduire le concept de public official qui inclut un public officer, mais qui inclut aussi ministre et député. Ça veut dire donc. C'est pas si c'est un public officer qui est capable de condamner pour fraude, corruption, pour abus de pouvoir, pour trafic d'influence, pour conflit d'intérêts, mais c'est un public official, y compris ministre député. Et c'est l'OLA qui pravine Jagnatine Tassé. Alors, moi, mon renseignement, comme on dit, c'est qu'il peut travailler soit un amendement constitutionnel, soit un amendement du Prevention of Corruption Act. Pour rendre les plus restrictifs. Le but, c'est pour rendre les plus restrictifs. Pour c'est pénacime, hein, parce qu'il y en a effet. Il n'est pas capable de mettre la loi aux criminels avec effet rétroactif, tout ça là. Mais on connaît qui je peux travailler là. Les malsains
Il va vous passer. Mais il est dans l'intérêt du pays et de tout le monde qui, Saranuro Diagnat, démentit ça publiquement, officiellement, le plus tôt possible. Mais tant mieux. Vous faites qu'il y a une question sur l'éducation. Ça m'a l'air là, moi, pour poser la question, mais qui fait, par exemple, au financement d'un parti politique, qui ferait, mais ça me sabote nous en 2000-2005. Je me rappelle, je tiens un select committee. Là. Et mais ça me littéralement saboté, pareil comme on dit sabote réforme électorale. Et en ce qui concerne Declaration of Assets Act, combien de fois nous avons dit dans le Parlement une proposition contre ça disant la vie privée du monde. Et moi, les guettés, bon sens. Moi, là, moi, je suis content de guetter, moi. Qui a un héros de Jagdat, tout ce bon ministre, tout ce bon député, pour venir déclarer publiquement tout bon dit bien qu'ils ont même, et ont bon proche, cette famille, là. Vous mettez au défi. Si je fais aller, tant mieux. Je dis, je bon, bon point de désaccord fondamental entre nous et MSM. Si je corrige le tir, tant mieux pour Maurice. Oui, Divaline, finalement, qui prend les bottes là, comment vous. Sa qualité, botte de pliénal, tellement paye les bottes. Donc, mon père, là, pour entrer là-dedans, hein, l'éclair qui. C'est une plaque quand j'ai été. Ou bien, une jolie zonga, j'ai ben, heureusement, bah, bien, une secouée les parties. Ça veut dire, bébé, ganou. Ben, comique, franchement. Donc, Péro d'un petit place dans le gouvernement, Péro, je ne vais pas vous servir le mot créole, qui nous connaît, mais Péro d'un, qui m'a dit pour être dans le gouvernement. Le gouvernement ne connaît pas bien ce qui se représente. Je suis content, si vous estimez Soudan, nous prenons lieu au sérieux, bon sens. Moi, mon père, quand je calcule sa qualité du monde, la numéro 3 dans une gouverne. Il est effrayant. Il est effrayant. Il est bien, bien dangereux pour l'île Maurice. Ça m'a. Et tous, c'est plus difficile, tout un du monde qui prend celui-là. Non, c'est aïe, je vous dis. Hein. Moi, je trouve exactement comme Steven dit, qu'il y a beaucoup quelque chose à finaliser, à préciser, à détailler, mais en gros, il y a dans la bonne direction. Mais avec beaucoup de quelque chose à préciser, à détailler. Ce qui moi, tout... nous, tu connais les mots comme ça. Mais il y a inquiétant, hein? La quantité de vestes d'intérêt qui pérode car sa réforme-là. Papa, nous t'y connais, je t'existais, nous t'y connais, je pour débattre. Mais, aïe, terrible, hein? Parmi ces dans la présentation hier, il va être sur le collègue pour augmenter sur les MMM, envoyer une délégation. Qu'est-ce qu'on a dit ça, madame? Hein? Oui, ma frère, c'est ce qui au nom du MMM, il dit. Mais je crois aller dans sa. Bien sûr. Enfin, bien connu aussi, si. Si je t'organise quelque chose, je vais rappeler à mon âme qui organise. Mon ministre prête serment devant l'hôtel gouvernement public avec 5000 fanatiques travaillistes pour diagnostiquer bien. Mais, je ne sais pas comment, Mme Doukane, pour faire sa qualité quelque chose là. Donc, nous vous inquiétez, si invite un débat, il y a un débat structuré, respectable. Mais moi aussi, à Mme Doukane, ne pas pouvoir se dans aucun dérapage. Madame Doukane, c'est Madame Doukane, mon ciel n'est pas pouvert dans aucun dérapage, etc. Et dans la mesure que nous sommes capables d'aider, nous pouvons aider. Faire quelque chose. Mon choqué. Mon tine réussit à mon trahison, là, mon remettre. Enfin, si vous êtes mon papier, mon réussit.
Mais vous pas qu'à Tini. Pas si l'on s'agosse, l'on tromblin aussi, ou qu'à dire, mais tromblin, un petit bout. Mais sa souveraineté nationale, ça. M'en choqué. L'on s'agosse plus qu'il tout. Hein. De la trahison, du sabotage, m'appelle ça. Moi. Qui est bien fait, moi, je connais exactement si mon petit premier ministre, qui moi, pour faire. Mais là, le drame, c'est qu'il ne peut pas faire dans rien. Il est incroyable, mais livré. L'autre blanc aussi, hein? Au moins, moi, tu réussis à convaincre à Mouglam, il y a le Paris. Pardon, il y a le Paris, il étudie à Hollande, parce qu'il me rappelle les autres qui dans quatre blancs. Ramgoulam, tu signes l'accord, enfin l'île Maurice, sur Ramgoulam, tu signes l'accord pour co-gestion. Mais tu es bien ratifié par tous les deux pays. Il signe. Maurice, il ratifié. La France, jamais il ratifié. Fin moque de nous. Moi, tu réussis, convainc. Et sa co-gestion-là, c'était pour 5 ans. 4 ans plus tard, pas encore ratifié par la France. Mon convainc Ramgoulam, qui lui dit trop tard, c'est à la tour, le passe d'eau là. Laisse tomber concession, l'île Maurice pourrait soulever la question de souveraineté. Au moins Ramgoulam, il a le pari à l'Elysée, il soulève ça. Ça aussi, il n'y a aucun follow-up, il n'y a rien. Mais c'est de la haute trahison, vrai même. Et l'Osago, c'est encore plus choquant. Plus choquant. Et oula, encore une fois, Gaïane, dès qu'il doit causer. Petit Tini, là, qui est taureau là. Mais occupe là, qui est taureau là. Of all people, Gaïane. Enfin, l'île Maurice. Ce qui passe commentaire, c'est Gaïane et le ministre en question, Sinatan Boum. Moi, je ne suis pas allé réaliser les ministres des Affaires étrangères. C'est ce qu'a dit. Oui. Qui c'est là? Il n'y a pas, vous connaissez pas une marque chocolat, ça, c'est pas quoi. Sinatan Boum, pas intéressé avec sa gauche, pas intéressé avec. Oui, MMM. Situation dans les MMM. Sur tout l'express, c'est là qui question. Oui. Comment Steve, là, dans l'autre premier rang? Ben, il était dans le bureau politique, il contribuait. L'ambiance, maribon. Ça va une traite qui type leak l'information. Pendant qu'on il fait nous beaucoup d'ito. Mais vous êtes la santé MMM, là, une fuite pénant. Sa bureau politique, là, joigne tous les lundis, un plaisir. Et nous discuter. Pourquoi on est venu rebustemp tous les lundis? Il n'a pas comme ça, ça. Discute bien, Steve présent. Bon, mais après tout ce qui est arrivé, il préfère, pour le moment du moins, ne pas être présent pour conférence de presse. C'est ce droit. C'est ce droit. Mais bureau politique fonctionne extra. Le MMM en santé, dans une santé éclatante. Oui, nous préparons le nous congrès du 27 septembre. Nous préparons activement le congrès anniversaire. Non, le thème de nos congrès anniversaire, c'est le MMM hier, le passé du MMM, l'histoire, aujourd'hui et demain. Donc, il y a un moment important de réflexion, tout ce qui nous traverse, et surtout tourner vers l'avenir, surtout. Et vraiment, il y a une nouvelle, un nouveau qui peut coûter pour un bon développement. Oui. Est-ce que Johanna Béranger pour intégrer le MMM? L'idée est intégrée, actif. L'IDAN régional numéro 16, il reste dans l'endroit, l'IDAN régional numéro 16, il participe à toute bonne réunion du comité régional, il participe à l'aile jeune, il est déjà dans MMM, activement dans MMM. Dans une élection municipale. Élection municipale, pas la dernière fois là, la fois d'avant. Il dit où l'être candidat, mais il n'est pas dit l'on l'a dit sélecteur parce qu'il était encore étudiante. Enfin, il fait que finir étudiante. Donc,
Johanna, une militante comme n'importe qui les autres militants, sincère, engagée, active. Mais pena dynastie dans MMM, pena enfant dirigeant qui a un droit spécial, il fait ce sommet. Il fait ce sommet et il y a un droit aspire à n'importe quoi. Mais comment l'indire? Il y a une militante. Et méritocratie, il y a une valeur essentielle. Il est pour continuer à militer. Enfin, pas continuer plus qu'ils aiment. Oui, toujours l'OMM? Non, sinon, ben, on va se joindre après le show de demain. Oui, bien sûr. Enfin, d'ici lundi, moi, pas quoi. Demain, c'est samedi. Non, nous vous laissez samedi, dimanche, passer. Non, guettez, je ne sais pas qui quantité il vaut la peine de prendre en considération le show de demain. Non. On qualifie d'abord d'une motion de blâme contre le tribunal Aïdou. Deuxièmement, d'un aveu d'échec du budget le tribunal Aïdou. Et troisièmement, qu'il me prévoit un show de demain. Mais on finit qualifié d'une motion de blâme contre le tribunal Aïdou. Et le fait qu'il fasse une histoire comme ça, il y a une motion de blâme contre le tribunal, il y a un aveu d'échec. Ah, c'est là, c'est pas lié pour un show, c'est pas lié pour ridicule, c'est pas quand même lié pour amener un peu l'idée nouveau. Ça, moi, va commenter après. Merci.